Top départ pour le marathon des corrections du baccalauréat 2017. Le compte à rebours est donc enclenché. Au total, ce ne sont pas moins de 41 000 enseignants et inspecteurs concernés par ces milliers de copies, annotées avant la mi-juillet. Donc, nous avons entamé une première correction collective des 10 premières copies. Les premiers résultats étaient satisfaisants pour la filière S. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour des corrections après le cumul du mois de Ramadan et avec la chaleur qu'il fait. Mais je tiens néanmoins à rassurer les parents ainsi que les candidats sur le barème et les résultats. Une charge de travail non négligeable pour les correcteurs. Le souci est que le travail n'est pas encore terminé. Une nouvelle session spéciale sera bien consacrée aux élèves qui ont été exclus pour cause de retard. Nous sommes là depuis septembre, ça va bientôt faire une année que nous travaillons. Et puis quoi encore? Nous n'avons pas droit de prendre des vacances. Il nous faut au moins un mois et demi de repos, mais ils vont programmer la session spéciale pour juillet. Ça veut dire que nous n'aurons pas droit au congé. On devra corriger les copies aussi. Les enseignants demandent que les épreuves soient à l'avenir avancées de quelques jours, de manière à laisser des délais de correction plus longs.